وصلتم من السجون يناديكم توحدوا توحدوا حرق شعارهم يا سلاحهم كريم On vous dit en témoin, c'est un rassemblement, c'est un rassemblement, c'est un rassemblement, 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 Silmia, 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 Tassovic, on a dit que c'est un rassemblement, on a dit que c'est un rassemblement, on a dit que c'est un rassemblement, un rassemblement. Azul Filaoud, salam alaikum, bonjour République. Chacun doit assumer ses responsabilités. Arrêtez, laissez-les. Pour l'instant. Allô, non. La marche, nous informons tout le monde que la marche n'est pas autorisée. La marche n'est pas autorisée. Nous, il faut savoir qu'un recours, administratif a été déposé. Alors, en face, vous avez un blocus de la police, ne tombez pas dans le piège de la violence. Une femme réclame. Sylvia, ne marchez pas, nous n'avons pas d'autorisation. Une femme réclame. S'il vous plaît, ne marchez pas, ne tombez pas dans le piège. Ne tombez pas dans le piège. Nous avons réussi. Ils ont envoyé des éléments pour changer cette fête. Nous ne leur donnons pas l'occasion. Revenez à la place. El Jaza Eray Tchoufikoum. El Jaza Eray Tchoufikoum. Les journalistes vont dire qu'il y a eu de la violence. Arftou Salam et Gilets jaunes. Arftou Salam et Gilets jaunes. لازم لا 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 إخواني يا خواتي أتي سمعتي سمعتين أنكور سلمية لا تنت من أطيو نجيري ني أخرطا ني أخشنا لغت غايتي دوني تنجي حتى نجيب الحرية رينا تاريخ زدو 92 ديبارتمون 92 ايسي لي بولونو ان ايد دي فرانس لكني لد سيكيني يوم غراو النظام ورباكيني الماك يا نضال يدرو حنا رباكي غاريون كان نظام نعم صغمشا فرنسا فرنسا 24 في الفكرة روح عندي وكني 1000 مليون وقراو ذا جينيو إوا كني غادي نين باللي تا غمشا لفرنسا توت الناح غا فاينا إلى رونا كاثورا غادي تموت القبايل لي محباس راه قشعل دابو مهرسان عرب نسلم من الجزائر دايمين الولا باللي نقصا يا جينيو توت الناح ملاكلا داين يشد الغرفة عرفتي نسلم هضرنت فلاس مسلاين فلاس مالا قلا داين يضرون دي تمور القبايل نا دي تمور المزابيين نا دي تمور تيشاويين ودت مسلاين راه فلاس وذن الله حمي السلاح نسن نفع نسن داين يخدمن اسمي يفغن دي 62 لما خاصه نزمرات نيمي وفير لها اليوم نوثنين راه يشدوا لنا الساكين الراي تمور ساكين مقارنة بتاعين سيت سواثر تايض وفرزا غيد او نثناوي ثوغني وين الوينا يضرونا كثرة في مراحة كينيا لفرنسا 24 نوغ خمسة فرنسا ذاكيا في 92 ثاني مرت نول يتيكل ترتايض فرصة غيد Nous avons besoin de tout le monde. Heureusement que tu as fait un petit peu de chouette. J'espère.
j'espère que d'ici là, d'ici quelques mois, tout le monde va rejoindre les rues du MAC. On demande de rejoindre les rangs de la Kabylie. On vous demande de rejoindre cette Kabylie. De défendre votre Kabylie. Aham en ouen. C'est la Kabylie et que tu as ton rôle. ماشي للجزائر، الجزائر ساعة لي موين ساعة كلش، نكوني ما لاش نجم وترفدنا لا والراويش يونو الجميرة ترفد. ترى بون عندنا غالو سوجي دو لا ريبريسيون تشوارا ونتشوارا لي ميليتون لي ميليتون تزنينا في يوسف لاسين تا الميرثي والملاح خاطر كوني كنت قبل الوحوش، نكون نقرا هذيك فرنسا نقرا نخدم، كوني دافودنا مات لا من لا مسلمة راه ولا شاب. دونك نتشكل في الاول باشا هاش كمل امام النوغا جا من النوغي وعر سيك ما راه نتصدر زاد باسكو اون اريف ا توشي كي قرناك ني لو كور دو لا شوز اي دونك تاس واحد تي وعر الميليتونتيزم هادي وعر هذا نتولم صراحه عند الحراكه ديال الناس سي تي بارونتيز لي زيليكسيون ليجيستاتيف سي لي فوان فوار ليو او ماكسيموم دون 6 mois مي Par la Kabylie, on doit rééditer l'exploité de zéro votant, d'arriver pacifiquement, calmement. Et le seul vote à nous demander, c'est le vote de référendum pour l'autodétermination de la Kabylie après un an de la QC, l'indépendance, car croyez-moi que c'est quelque chose de facile. À tasse vraiment que Rousse M'Tila, Zik, Hamas, l'URSS, sur la Fédération Fédération de Russie, combien de républiques russes sont indépendantes? Ils sont prospères, durant. C'est des petites, ils sont plus petites que la Kabylie, je donne l'exemple de l'Estonie. Donc oui, déjà, on commence à avoir des contacts avec eux. Mais je starte avec la Kabylie. Ils sont 2 millions, c'est un pays prospère. Nous connaissons 12 millions avec toutes les richesses, avec tout ce qu'on veut. Et voilà, nous connaissons les frères, on sera une puissance régionale. Et on sera une puissance dans la Méditerranée. Donc, il y a des gens qui ont dit qu'il 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 y a les gisements, il y a en Kabylie. Le pétrole, le gaz, il y a en Kabylie. Voilà, tu vois, tu viens de dire que le carré d'Inima, il a la Kabylie, il a Tchili. Voilà, pauvre, la Kabylie est très 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 riche. Déjà, non pas avec, non seulement avec ses richesses souterraines naturelles, ressources naturelles, l'eau et tout ça, on a la mer, on a la montagne, on a les vallées, on a tout ce qu'il faut pour en faire un pays prospère. Non seulement on a ça, mais aussi on a. Les ressources humaines, il faut dire ça. C'est les ressources humaines kabyles qui vont faire l'économie de la Kabylie et pas l'inverse. Voilà, donc il y aura un connex, Ismis, Adnaf, Frimé, Tonya Guéna, et soit Arsenimé, Amélia, et là, nous connaissons la dague, justement, il faut continuer le combat, il faut continuer le soutien à Insen. Voilà, nous connaissons la dague, c'est que le courage. Dans la notion de comment ils vont lutter. Tu vois, le MAC, la NAVAD et tout ça. Donc, on a, par rapport à ce qui a été vécu comme crise ces dernières années, donc là maintenant, le MAC commence donc à se restructurer, à consolider ses organisations. On a de moins en moins de problèmes, de conflits, de crises. Et on va arriver, donc, on va restructurer Tizi Ouzou dans les semaines à venir. Adorata Tizi Ouzou. Au devant parce que quand il dit que j'ai 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 un travail énorme mais on dit que le cœur battant de la Kabylie c'est Tizi Ouzou. J'amène sur Kharas parce que c'est grâce à Tizi Ouzou et dit que j'ai 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 tu verras que là on se met partout, même si tu vois la Tizi Ouzou à Douran, où elle sera la locomotive du combat de la cause Kabylie pour son indépendance. Voilà, d'ailleurs on dit Nertan Mertin, moi une belle catastrophe. En tout cas, j'ai dit beaucoup de choses. Nertan Mertin, allez, avec Nertan. Le kidnapping de nos militants, c'est quelque chose de compliqué pour France 24, pour RFI. Honte à vous. En France, il y a une énorme communauté kabyle. Vous devez à présent les respecter. Nous refusons de payer nos impôts pour que France 24, RFI, soient les suppôts des dictatures africaines, soient les suppôts de l'arabo-islamisme qui nous envahit, l'arabo-islamisme colonial dans toute l'Afrique du Nord
et particulièrement en Kabylie. Les journalistes doivent se réveiller. Nous refusons de croire que vous êtes la voix de la France-Afrique. Nous refusons de croire que vous êtes les porte-parole des dictatures. S'il vous plaît, faites votre boulot. Voilà, sinon, pour revenir, ça c'était le message aux journalistes qui sont sûrement avec les hirakistes. Je suis aussi passé place de la République. Il y avait énormément de femmes voilées. Il y avait énormément de barbus. Il y avait la place de la République est couverte d'islamistes. Donc, bien évidemment, ça intéresse France 24 et ils y sont. Voilà. C'était ma parenthèse. Les dernières choses que je voulais dire, c'est, voilà, il y a une cagnotte. S'il vous plaît, participez à la cagnotte. On participe tous pour les familles des détenus, pour nos 3 détenus et pour célébrer aujourd'hui. France 24 ne doit pas être au courant, bien sûr. Nous les informons très poliment, très gentiment. C'est le 20e anniversaire du crime qu'a commis l'Algérie envers la Kabylie. 128 morts. Il y a eu un infanticide. Il y a des enfants qui ont été tués avec des balles de guerre en Kabylie en 2001. Aujourd'hui et cette année 2021, nous commémorons le 20e anniversaire de ces massacres dont vous ne parlez jamais. Voilà, nous serons là, nous vous le rappellerons. Voilà, merci à tous. Voilà, à très bientôt. كاسميني انسو يس سوارغاز يضرب ثمور تقبيلي ثماس اسلوي اثن انتعرف ذن اول اسمي انسو يسك ازوف لون انسو فيس ونولا الكونوي تشبحتي تخدمم يتقبيلي تكون ويديو سان اسيني غتان ميرس et la présidente, la coordinatrice de la coordination du MAC France, نسان كهنا ياك دويد البيروني نس ياك يقدشن إميان ما تشي دويد إفراني طفل دقوامان دويد يتسنغن خاص إلا الكوفيد خاص إلا وطان خاص إلها يوتوك فورنا ذا دفل كونوين يدس نكوني ياك أقلاغ ذا جينيكات إوا كنا دنينيم إويد يتسنغن دقوانار باللي امنوغ نون يجهد ونكون صوت نون اثن سيوض رمضان هاك الميلة بغيت هاد مسلي غسان غاف يمحبسنا لان ثلاثة يمحبس ياسين مباركي جمال زعيم اي بيان سور لوناس حمزي Même le comité national pour la libération des détenus, où ce n'est sera de la liste comme des détenus d'opinion. Ce ne sont pas des Algériens, oui, ce sont des Kabyles. Mais qu'on nous accorde ce statut, d'achou, ils sont en Algérie, prisonniers en Algérie. Donc, ce sont des détenus d'opinion. S'ils ne sont pas des détenus d'opinion, il faut qu'ils disent que ce sont des prisonniers de guerre. Et dans cette guerre, il faut que l'Algérie assume une guerre unilatérale. La Kabylie n'a pas pris les armes contre l'Algérie. Lounes Hamziou est un homme pacifique. Dwini Tsurban, Dbist Familt. أمي مغدسن أم بحالكم أكويت أما كيت لما كدا قنيا ذويد يتربان ذويد يسعن ذو قرين سن تكتوين قنعن بالليو ومنن ذاكن تيمونند يثبور تقبيليس يوغرف قبيليو حالا يقل حالا
يقلان تسفرات يسمو التقبيلس سوالام الجيرك السوسم غاف إمغدسن لماك مرات هواوثن نغ مرات وجرحن نغ مرات داويد الحبس C'est du racisme anti-Kabyle. En même temps qu'il a le Kabyle, mais en même temps il a le Fondil Zahir. Et quant à la police algérienne, comment elle fait? Ce sont les responsables politiques qui donnent l'ordre d'arrêter des gens. La police arrête. Elle les donne à la justice. La justice n'a aucun dossier, n'a aucune preuve. Eh bien, la justice, avec la police, vont essayer de fabriquer des preuves. Léonès Hamzi, quand il a été arrêté, il n'y avait ni mandat d'arrêt, ni mandat d'amener, ni instruction ouverte quelque part. Et ce n'est qu'une fois qu'il est mis sous dépôt qu'on a été enquêté pour savoir s'il y a des preuves contre Léonès Hamzi. Et on va dire que ce n'est pas un détenu d'opinion. Radiyimas, Radniyweithmas, Fouzid, Radniyimagnasin, Irahn al-Hamsin Kolea Ndeila, Yumeinaginikatu Tisnera, Sranjoun Zethan Svitar, Iwakinda Difa, Duxirim Iwakinda Difa. Tebboune, Nazra Thiakou, n'est qu'une marionnette. Tmeskhar Mfellas, sou Tmeskhar Mfellas, et Tmeskhar Afiyad. Il n'est que Bellium, Adin Serhi Mahbas, Ntsertif. Il s'est dit qu'il a un frère. Souida Koumid Serhi. Nsalam, Adin Kemelna Kouithouya. اللاندي الماك دا ماشي دي الماك نكوني ذوي ذي تدفعا يسحبي فيرن غاف يزرفن بمذانا كن ملان ونتسوغا لا رد فيل دقايا ذا شو سوفان ديوثن تكوميشت ولا ملا تكنيكا مكي خدمان هذا وين الغاشي الحباس مارس ليد سرحن نهنيك بنشيع ما خاطر سرح ناس ديد ها سوناكو La souffrance de Touachouline, les familles, la société, les organisations, c'est qu'il n'y a qu'à faire tout. Dès que nous connaissons le travail. Non, Tebboune n'a rien fait. La liste a été faite ailleurs. Il n'a donné aucune instruction. Ce sont les autres qui lui ont donné l'instruction de dire ça. Et il l'a dit. La Ligue algérienne des droits de l'homme refuse de parler des militants du MAC. L'Observatoire national des droits de l'homme refuse de parler des militants du MAC. Amnesty International, ce sont des vendus au pouvoir algérien, refuse de parler. Des prisonniers d'opinion qui militent dans les rangs du MAC. Si ce n'est pas du racisme anti-Kabyle, je voudrais bien qu'on m'explique quelle est l'autre signification de ce silence. Toutefois, il faut rendre hommage à ceux qui ne sont pas du MAC et qui soutiennent mordicus le statut de détenu politique pour les militants du MAC. Je commence par Bachir de Raïs. On l'applaudit. J'ajoute Mziane Abad, on l'applaudit. Il y a des députés et des cadres politiques de Vgaïev qui ont pris position. Benadjian, Bob Benadjian. Il y a Khalta Zarat. Il y a Mansour Mazouz. Athman Mazouz. Et il y a en dehors de la Kabylie, il y a une femme. Elle n'est pas de nos rangs,
elle ne combat politiquement, mais je lui tire chapeau de reconnaître le statut détenu d'opinion pour les militants du MAC. C'est Amira Bouraoui. Mais où est le FFS? Où est le RCD? Où est la classe politique? C'est une honte. Et demain, ils vont demander que nos voix pour que nous votions pour eux. Toute cette opération, en fait, de libération des détenus, n'est que de la poudre aux yeux pour les échéances électorales à venir. Une fois les élections passées, ils vont les remettre en prison. Ceux qui seront à portée de leurs mains, ils vont de nouveau les mettre en prison. Et dans toute cette opération, c'est l'enjeu essentiel, c'est la Kabylie. Le FFS qui est reçu à la présidence, c'est comment faire participer la Kabylie. Eh bien, la Kabylie ne votera pas. Elle ne laissera personne voter à sa place. Et ce qui est en train de se jouer actuellement à Ethmathen, le FFS est allé négocier un quota de députés. Honte. Et toute la classe politique est en train de le faire. En Algérie, il n'y a pas d'opposition. Il y a des souteneurs du régime qui se font passer pour de l'opposition. Ils sont là juste pour recevoir un peu de biette. Quelques postes de députés, quelques postes à la POI, quelques municipalités, et l'affaire est entendue. Ce sont des carriéristes, ils ne se battent pour aucune cause, ils n'ont aucune valeur, ils ne font travailler que pour leur poche individuellement. C'est des mafias qui sont dans les partis politiques algériens, dans l'opposition algérienne, au même titre que la mafia militaire qui squatte l'État en général. Et nous voyons que Tebboune ne vaut rien par le fait que, sincèrement, il m'a fait pitié quand je l'ai vu parler. Hein. Je vous donne ma parole d'honneur qu'il m'a fait pitié. Les choses se passent ailleurs. Et il est innocent dans tout cela, on dirait même qu'il est otage. Il est otage du régime au même titre que nos militants sont otages dans les prisons. Il a annoncé que dans les 24-48 heures, un nouveau gouvernement sera formé. On l'attend encore. Cela veut dire que les luttes au sommet de la mafia militaro-politique font rage. Ça veut dire qu'ils ne se sont entendus sur rien et probable qu'ils en viennent aux armes entre eux. J'espère d'ailleurs qu'ils s'exterminent entre eux. Je suis venu pour dire à la famille des prisonniers, à la famille de Lounès, je ne voudrais pas vous faire nourrir de faux espoirs de libération de Lounès. Il n'a rien fait qui puisse le faire condamner. Oulesh Dachik Khadem, Swayseraya Dilishra, l'Ad. Son arrestation, ce n'est pas pour un crime, c'est par décision politique. Donc sa libération ne sera pas prononcée réellement par un tribunal, mais par une décision politique. Qu'on n'attende rien si on n'arrache pas par la rue. C'est pour ça que j'appelle la Kabylie. J'appelle tous les Kabyles à organiser des manifestations pour la libération de nos détenus. Débrouillez-vous sur le terrain. Il faut qu'on bouge. Il faut que les villes soient bloquées. Il faut que les gens descendent dans les rues pour libérer nos militants qui sont les otages d'une politique
raciste envers la Kabylie. Aussi, à notre niveau, nous ne manquerons pas une seule occasion d'appeler les instances internationales à intervenir. Je sais que sur place, nous ne pouvons pas compter sur la Ligue des droits de l'homme et Amnesty International, mais à l'échelle internationale, nous, nous pouvons faire bouger les choses et nous le faisons à travers ces rassemblements, ainsi que les rencontres diplomatiques que nous faisons, les sensibilisations et les lettres, les messages et les lettres que nous envoyons à toutes les organisations humanitaires et surtout décisionnelles à l'échelle internationale. Nous ne lâcherons rien. Et il y a sur le terrain, je tiens à le dénoncer, ceux qui travaillent à saper le moral des gens, à faire peur aux militants. Je vais vous dire, les militants du MAC, et oui, un militant du MAC, il a des convictions, il a même foi en la justesse de son combat. Vive la Kabylie libre et indépendante. Saint-Mirce-Nouen, Wemno, Adikmen. Jean-Tamie.